Chers amis, le Seigneur et moi-même, nous sommes très heureux de vous accueillir à ce moment de réflexion autour de sa parole. Que son nom soit béni et bienvenu et que Dieu vous garde. Notre sujet du jour, la réincarnation. Nous, nous prions. Notre Père, notre Dieu, nous allons étudier un sujet très complexe. Mais nous avons compris que ton esprit nous accompagne pour nous donner l'intelligence, la sagesse, la clairvoyance. Et pour que nous puissions avoir une bonne compréhension de ta parole et ne pas nous laisser séduire par tout ce qui se dit autour de nous. Remercie de bénir ce moment, donne-nous l'intelligence, la sagesse et l'humilité pour que nous puissions nous soumettre à ta parole. Je te prie au nom de Jésus-Père éternel et pour ta gloire. Amen. Chers amis, le fondement de la théorie non-biblique de la réincarnation ou de la transmigration de l'âme se trouve dans la notion païenne d'une âme immortelle. Cette théorie a été adoptée par certaines grandes religions du monde. Alors que la plupart des chrétiens croient en l'existence d'une âme immortelle qui demeure dans un paradis permanent ou un enfer après la mort, ceux qui croient en la réincarnation soutiennent qu'une telle âme immortelle traverse de nombreux cycles de mort et de renaissance ici sur cette terre. Pour certains, la réincarnation est considérée comme un processus d'évolution spirituelle qui permet à l'esprit d'atteindre des niveaux toujours plus élevés de connaissance et de moralité dans son voyage vers la perfection. Les Hindous croient que l'âme éternelle passe par une progression de conscience au samsara à six classes de vie, aquatiques, plantes, reptiles et insectes, oiseaux, animaux et êtres humains, y compris les résidents du ciel. Maintenant, lisons Hébreu 9, 25 à 28. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré. Comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du saint-étranger, autrement il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il a réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Lisons également 1 Pierre 3, verset 18. Jésus-Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Maintenant, une question nous est posée. Si Jésus n'était pas mort qu'une seule fois, d'après Hébreu 9, 28, et 1 Pierre 3, 18, et que les êtres humains meurent une seule fois, Hébreu 9, verset 27. Pourquoi même certains prétendus chrétiens croient-ils en une forme de réincarnation Je demande à ce que l'Esprit du Seigneur vous accompagne dans votre réflexion. Chers amis, beaucoup de gens ne croient pas en ce qu'ils devraient croire. Ils croient plutôt en ce qu'ils veulent croire, et qui les arrange et les apaise, soi-disant. Si une théorie leur donne la paix et le confort existentiel, cela suffit largement pour eux. D'autant plus, rappelez-vous que nous n'avons pas été créés pour mourir. C'est le péché qui a entraîné la mort. Donc on ne pourra jamais s'habituer à la mort. Alors tous les moyens sont bons pour certains qui rejettent la parole de Dieu de s'attacher à ceux qui pourraient les apporter un certain confort. Mais pour ceux qui prennent la Bible au sérieux, il n'y a aucun moyen d'accepter la théorie de la réincarnation. Pourquoi, chers amis Premièrement parce que cette théorie contredit les enseignements bibliques de la mortalité de l'âme et de la résurrection du corps. Un Thessaloniciens 4 verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Notez bien ce que l'apôtre dit. Que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Alléluia. Verset 16 dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sous les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Deuxièmement, elle nie la doctrine du salut par la grâce, par la foi, dans l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, et la remplace par des œuvres humaines. Ephésiens, chapitre 2, verset 8 à 10, déclare, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Troisièmement, la théorie contredit l'enseignement biblique selon lequel la destinée éternelle est décidée pour toujours par les décisions de chacun dans cette vie et sur cette terre. Car après la mort, tout est fini. Il n'y a aucun espoir. Je vous invite à lire chez vous Matthieu 22, 1 à 14 et Matthieu 25, 31 à 46. Romains chapitre 10, verset 9 et 10 déclare « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, « Tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confession de la bouche qu'on parvient au salut. » Quatrièmement, cette théorie minimise le sens et la pertinence de la seconde venue de Jésus. Jean 14, 1 à 3 déclare que « Votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. »« Il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père, si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. »« Je vais vous préparer une place. » Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Et enfin, cinquièmement, cette théorie propose des opportunités après la mort et insinue que les gens doivent encore surmonter les pièges de leur propre vie, ce qui n'est pas biblique. Bref, il n'y a pas de place, chers amis, pour l'idée de réincarnation dans la foi chrétienne. Hébreu 9 verset 27 et 28 déclare et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alléluia. En conclusion donc, l'idée de réincarnation est totalement étrangère à la Bible qui nous dit clairement que nous mourrons une fois après quoi vient le jugement. La Bible ne mentionne pas de seconde chance ni de retour à la vie sous la forme de personnes différentes ou d'animaux. La réincarnation est une croyance populaire depuis des milliers d'années, mais elle n'a jamais été acceptée par les chrétiens ni par les juifs parce qu'elle est contraire aux Écritures. La croyance en la réincarnation est un phénomène ancien, l'élément central de la plupart des traditions religieuses indiennes comme l'hindouisme, le sikhisme, et le jainisme. Beaucoup de païens modernes croient également en la réincarnation, de même que certains mouvements Nouvel Âge et des adeptes du spiritisme. Pour le chrétien, cependant, il n'y a pas de doute possible. La réincarnation est anti-biblique et doit être rejetée comme fausse. Alléluia. Alors que Dieu vous garde et vous bénisse et que son esprit continue à vous enseigner dans le nom de Jésus.